Bonjour, on m'a volé. Bonjour madame, on m'a volé mon vélo, je suis. Mec, faut absolument que tu m'aides. Je suis livreuse et on m'a volé mon vélo. En fait, je suis grave à la bourre, j'ai une commande là maintenant. Si je livre pas là, mes statistiques elles vont baisser. Si mes statistiques elles baissent, j'aurai des horaires de merde. Et si j'ai des horaires de merde, je vais grave mal livrer. Et j'ai vu que t'as un casque, donc du coup, t'as un truc pour m'aider. Non, j'ai une moto, ouais. Enfin, j'ai ma moto. Elle est où? Là, derrière. C'est pas une moto, ça? Bah, si. Non, mais en vrai, c'est grave choupi. Hein. Ouais, mais je vais. Bah, je peux vous aider, mais je vais pas. Trop bien, merci, c'est trop bien. Zoé. Ok. Moi, c'est Liam. Enchanté. J'ai une commande, faut qu'on y aille. Je suis vraiment désolée pour le retard, madame Anselm. 5 minutes au micro-ondes et c'est réglé, ne vous en faites pas. Ça me fait plaisir de vous voir. Tenez, c'est pour vous. Merci. C'est tout à fait normal. Je suis désolée, je vais devoir y aller. Je comprends parfaitement. Soyez prudente. Oui. Vous saluerez votre ami sur le scooter. Il est très charmant. Ben, j'y manquerai pas. Bonne soirée, madame Ancelin. Pour les loyaux services de mon chauffeur. Et ça va, la dame? Ouais. Ok. Juste, elle est un peu seule, en fait. Et elle me fait souvent des commandes à des heures pas possibles. Ouais. Ouais, la dernière fois, elle m'a commandé une cadette. Une seule? Ouais, je sais pas qui fait ça, genre une cadette. Bah, je sais pas, mais si vous voulez, enfin, si vous avez d'autres livraisons, bah, je peux vous accompagner. Enfin, si vous, c'est rare. Je te mets là. Ça va couper. Ta mère, elle va bien? Elle va beaucoup, elle. C'est drôle, hein? Vous aimez bien les problèmes, vous? Et arrête de m'envoyer, en fait. C'est quoi, mon dos? Ça? Ouais. C'est ma trompette, ça. Genre, c'est une trompette? Bah ouais. Ok. Et tu fais quoi dans le dos avec une trompette à cette heure-là? Bah, je sais pas, tu m'as pas vu sortir du jazz club tout à l'heure, quand tu m'as sauté dessus. Ben voilà. Ok. T'as une âme charitable jusqu'au bout. Ouais, enfin, j'ai une âme charitable qui a des limites, quand même. Bah non, non, bah non, tu joues toute la nuit de la trompette. Tu te mets genre en bout de cuivre entre les chicots. Ouais. Tu sues et tout ça pour des vieux, c'est. Ouais, et c'est respectable. Et toi, après, tu leur livres leur dernier repas. Pas mal, hein? Dernier repas, vraiment. Pardon, excusez-moi, mais t'attends quoi pour prendre ta commande là? Que je te la porte sur un plateau d'argent ou... T'as dit quoi là? Quoi? T'as pas d'humour? Pas d'humour? Tu veux que je te montre ce que c'est de l'humour? Espèce de petite connasse! Mais qu'est-ce que tu fais? Attention au sac. Du coup, toi, tu fais autre chose à côté des livraisons? Tu vas trouver ça drôle. Bah non, vas-y, dis-moi.
Je suis des cours pour devenir prof. Donc du coup, t'étudies et à côté, tu fais ce job, c'est ça? Bah voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, t'es courageuse, quoi. Bah, normal. Enfin, c'est notre avenir qui joue, donc faut pas laisser tomber. Et toi, monsieur le musicien de jazz? Bah... Je crois que j'aurais mieux fait de m'abstenir. Comment ça? Bah... Moi, je suis pas du coin. Je viens de l'Est. Et... Bah, j'ai mis tout ce que j'avais pour venir ici. Pour m'installer et pour jouer dans les clubs, quoi. Bah, c'est super. Ouais, mais... Là, ça décolle pas trop. Et c'est de plus en plus compliqué. Joue un truc. Joue un truc, allez.